Salut, c'est Kalyana et aujourd'hui on continue sur Assassin's Creed Origins. Donc la dernière fois on s'était fait trahir par Cléopâtre, trahir par César. On va aller leur faire payer leur trahison. Donc répercussions. Aïa et Bayek pensent qu'ils ont été trahis par les Romains. Ils vont examiner le tombeau d'Alexandre afin de découvrir ce que préparent leurs ennemis. Qu'est-ce que c'est? Voilà, petit temps de chargement pour commencer la vidéo. Bon, c'est pas que c'était une jambe avant de commencer. On va mettre le jour aussi parce que c'est pas agréable. Je vais détruire Cléopâtre pour ce qu'elle a fait. Pense surtout à ce qu'il faut faire maintenant. Que reste-t-il, Bayek? Nous reste-t-il une seule chose? 6 mois. Notre terre, notre pays. Nous devons continuer, Aya. Nous devons trouver le meurtrier de Kemon. Oui. Nous irons jusqu'au bout. Bon, alors Aya, elle est vénère. Hein. Ça faisait longtemps que nous n'avions pas été ensemble. Des gardes, devant! Nous allons les massacrer pour prouver nos intentions. Hors de mon chemin! Ça faisait longtemps que nous n'avions pas été ensemble plus de quelques jours. Des jours? Cela passe si vite. Aya, il est difficile, le chemin qu'on a choisi. Seulement si tu comptes en jours plutôt qu'en objectifs, Bayek. Bien, nous devons nous dépêcher. Il y a des gardes. Il y a quelque chose d'étrange dans tout cela. De malfaisant. Moi, je pensais qu'on allait attaquer les gardes. Ce sont tous des Romains, des hommes de César. Aya, ce serait bien que tu arrives de déliver un peu. Ah, ça bastonne en bas. Vous pensez pouvoir me tuer avec ça? Apollodorus. Vous n'auriez pas dû venir ici. Nous sommes chez nous. Ouais, mais l'escalier, c'est pas pratique. Aïe! Ah, je déteste les mecs avec les... Bon, on va changer d'arme.
Elle est ratée. Cesse de t'agiter. Tu vivras. Flavius est derrière tout ça. Oh, je suis désolé. C'est Flavius qui a tué votre fils. Ils sont venus ici. Ils m'ont pris l'orbe. Ils vont à Siwa. Siwa? Bayek, Aya. Votre peuple est en danger. Partez vite! Fais bon voyage, Apollodorus. Vers la maison d'Hadès. Il n'y a aucun bruit. Même les animaux se taisent. Ah, j'ai l'impression qu'un fléau a frappé le village. C'est cette vipère de Flavius. On aurait dû lui arracher les entrailles il y a longtemps. Il faut qu'on aille à la crypte. Je vais changer de cheval. Hein. Le mien est beaucoup mieux. Voilà. Ça, c'est un cheval. Allez, pardon, madame. Pardon. Je soldats romains. Ça doit être ceux de Flavius. À l'attaque! Ah, j'aime pas ce ralenti là. Ah, ça m'a fait tomber. Tiens, bouffe! Tiens! Et voilà. Là, tue tout le monde, ils ont tué les chèvres. Les flamants roses. Mais ils n'en sont pas morts. Hein, donc... C'était Flavius. Il a... Bah, moi tu t'arrêtes. C'est fortifié. Prudence, mon amour. Il lui a fait confiance. Comme des idiots. Rabia, qu'est-ce qui est arrivé ici? Bayek. Aya. Vite. Hebzefa. La crypte. Rabia, on reviendra te voir dès qu'on le pourra. Meurs pas, hein. On se dépêche. Bon, là, il y a des Romains. Les intrus, à l'attaque! Oh, j'ai tapé sur Aya. C'est un boucle. Alors.
Mais il n'y a personne. Où les gens? Allez, c'est tout. Voilà. Les gens. Là, il y a deux mecs là, deux mecs là, et un là tout seul. On va commencer par faire ça. Si jamais. On va essayer de sniper les mecs. Les gardes vont nous chercher. Là, ah bah discret hein. Qui c'est qui nous a vu? Ah, amène toi. Mais non, te barre pas. Ok. On va faire ça. Ah bah ça tombe dans les rapides dont on a besoin. C'est fortifié. Prudence, mon amour. Mais c'est quoi? Bayek, des ennuis devant. C'est quoi? On fait des discrets. Fais attention. Voilà. Bon, maintenant qu'on a fait le ménage, on y va. La piège volante. La crypte s'ouvre, mettez-vous à l'abri. Regarde, la crypte. Ils ont peur d'ouvrir la porte. Ils s'enfuient. Attention, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. On doit découvrir ce qui s'est passé. Oh putain. Nous sommes entrés dans la droite. Qui aurait pu imaginer un tel spectacle? Aucun homme ne devrait approcher aussi près des dieux. Après, c'est un globe terrestre. C'est pas dangereux.
Qui a créé ceci? Les dieux eux-mêmes? C'est toute l'histoire de l'humanité. Bayek. Bayek. C'est Ebzefa. Oh, mon Semi. Ta vie a pris fin dans la poussière du désert. Ils m'ont pris, mon meilleur ami. Nous devons arrêter Flavius. Non ! On ne peut pas le laisser ici. Il mérite de vrais adieux. Vas-y, Bayek. Je suis avec toi. Ebzefa ignorait tout de l'ordre. Il n'y avait aucune raison de le tuer. Flavius lui a arraché le cœur pour m'adresser un message. C'est lui qui a tué Kemu. Mon époux. Nous devons en finir. Mais t'es dans une grotte avec un super sœur et toi tu penses à ton pote. Tu fais le tour, ensuite tu ramènes ton pote. J'ai vu ce qui s'est passé. C'était horrible. Les chefs romains sont venus à la crypte du temple. Septimius et Flavius. Les objets qu'ils portaient l'ont ouverte comme l'aurait fait la main d'un dieu. Ebzefa a tenté de les arrêter, mais ils ont fait de lui leur problème. Ils sont entrés dans la crypte. On aurait dit qu'un feu bleu en sortait. J'ai fui, mais en vain. Tous les habitants ont perdu la raison. Ils sont tombés comme des poupées. Ils ont détruit Siwa. Ils doivent mourir. Vous devez mettre fin à tout ça. Bayek, Aya, les prières de tous les habitants du village vous accompagnent. Occupons-nous d'abord d'Ebzefa. Ensuite, nous rendrons la justice. Ils ont un sceptre comme dans, je sais plus si c'est Brother Rose ou le pape il a un sceptre, il faut mettre la boule dessus. Et là il ouvre le temple, c'est pareil en fait. Laissez passer les embaumeurs. Prions pour qu'Anubis accepte cet ornement à la place de son cœur. Prions pour qu'Ebzefa puisse arpenter les champs de roseaux. Ebzefa, mon vieil ami. Bayek, Ebzefa aurait voulu que tu aies ceci. C'est l'arme qu'il préférait entre toutes. Je suis honoré. Tu vois un peu l'âme. Ah oui, alors j'ai pris le pack infernal, donc j'ai l'épée comme ça. J'ai l'arc, l'arc et le sniper. J'ai la tenue. Et j'ai le cheval. Voilà. Comment elle a fait passer à travers les soldats? Des villageois ont capturé un soldat romain et l'ont interrogé. Flavius est parti pour Cyrène.
et Septimius pour Alexandrie. Je vais tuer Flavius. Il y a une ferme à la frontière à Cyrène. Quelqu'un aura peut-être vu passer Flavius. De mon côté, je vais arracher le cœur de Septimius. J'ai l'impression que le chaos nous suit. Partout où nous allons. Nous devrions peut-être l'accepter. C'est difficile. Je ne veux pas abandonner, mais... Chaque fois que je pense à toi, je pense à Kemon. Et à tout ce qu'on a perdu. Moi aussi. Alors pour le moment, nous tuerons. Adieu, Aya. Les animaux. La nécropole leur sert de tanière. On comprend mieux son état. Bon, on va essayer de trouver la sortie. C'est pas par là. Fin de chargement. Ouais, j'ai affronté un éléphant de guerre. Il était niveau 40, j'étais niveau 40. Disons qu'on était à force égale. On peut être à force égale avec un éléphant. Mais... Ouais, vas-y, il s'éclate les mecs en bas là. Hey! Vénérez-le! Vénérez-le! Marc incarné! Flavius leur a pris la raison. C'est mauvais. C'est contre nature. Ils vont danser jusqu'à ce que leurs pieds saignent. Je suis désolée, mais c'était un homme si doux. Une fois, il m'a demandé de soigner un chien blessé qu'il avait pris dans un collet. Pourquoi a-t-il fait ça? J'ai déjà vu ça. À Siwa. Je cherche le mangeur d'âme qui est responsable. Flavius. Le proconsul? Cette charogne sans âme a tué mon fils.
rasé mon village, et aujourd'hui il parcourt ta région dans la lumière de Rey. Viens, on va fouiller la ferme, chercher des survivants. Je suis Bayek de Siwa. Praxila, de cette région devenue folle. Pourquoi est-ce que Flavius fait ça? Ce ne sont que de pauvres paysans de Siwa. Ils étaient sur son chemin. Pas en plus elle, hein. Tiens, tiens, tiens. Des soldats, comme d'habitude. Allez, viens. Mieux vaut ne pas attirer l'attention. Système! Il y a encore des soldats. Allez, mène-toi! Allez! Voilà. Premier étage de la maison. Mamie, tranquille. Nebet, tu n'es pas blessée? Que s'est-il passé? Des caprouges et cette vermine à la tête de lion. Ils ont emmené tous ceux en état de travailler, les fermiers, mon fils cadet. Puis, il est arrivé. Les yeux noirs, sombres comme un corbeau. J'ai voulu lui jeter des pierres pour le chasser. Une chose brillante, dorée entre ses griffes. Il l'a brandi en croissant, alors qu'il mourait. Certains de leurs propres mains, d'autres des mains de leurs proches. Un acte contre nature. Tout le monde pleurait, hurlait, courait, mourait. Et tu t'es enfui. Personne ne fait attention à une vieille aux yeux voilés comme Nénette. Je les ai vus, et je n'ai pas crié. Je me suis mordu la langue jusqu'au sang. Les hommes qui ont fait ça, nous les retrouverons. Fais vite, ma fille. Le corbeau a volé vers le nord, là où vit la chasseresse. J'ai entendu les caprouges. Ramène-moi, cadet. J'essaierai. Flavius m'a aussi volé mon fils. On va l'amener jusqu'à mon chariot. Tu vas suivre Flavius? Il le faut. Pour ton fils. Qui c'est qui parle? Ils sont tous morts. Ah non, ils sont pas tous morts. Allô? Non. Pour tous les fils. Je suis sûr qu'il doit beaucoup te manquer. À chaque heure, de jour comme de nuit. Vous finirez par vous retrouver au champ de roseaux. Je l'espère. On t'a parlé de l'endroit où vit la chasseresse? Oui, à Cyrène, là où ont été posées les premières pierres de la conquête romaine. C'est au nord d'ici. Si Flavius y est, je le trouverai et je détruirai chaque fibre de son corps. Lorsque tu arriveras à Cyrène, va trouver mon ami Dioclès. Je lui confierai ma vie, ainsi que la tienne. Il est magistrat, il entend les requêtes à l'agora. Donne-lui ceci. J'espère que ça guérira la folie de ces terres. Je prierai pour que tu obtiennes justice, Bayek. À ton avis, pourquoi ont-ils emmené Cadet? La citadelle a étendu son emprise sur toute la Cyrénaïque. Des rumeurs circulent selon lesquelles le général Agrippa et Flavius se préparent à la guerre. Contre l'Égypte? Oui, tu doutes de leurs ambitions? Non. Je suis le seul qui peut les arrêter. Je vais la conduire à mon hospice de Balagrae, au sud du temple d'Asclépios. Même si cet endroit a déjà connu son lot de souffrances. Je t'y retrouverai si je le peux.
Attendez. Ah non, j'ai pas le droit d'avancer dans le temps. Bon. Je suis sur la bonne boucle, moi. Coucou ? Ça fait de cet homme son porte-voix. Personne ne prendra l'herbe qui guérit. Flavius a décrété. Tiens, voilà. Au lion de Rome, des flèches acérées. Wow. Ah. Oui, mais ils ont nos arbres. Il est revenu de Balagrae complètement enragé. Il a exigé mes impôts de toute l'année. Quand j'ai refusé, ils ont brûlé ma ferme. Tu es sûr qu'il s'agissait des hommes de Léandre ? Et ma femme qui disait qu'il ne fallait pas lui résister. Moi, je déteste quand elle a raison. Léandre paiera. Tu as ma parole. Ta parole, Dioclès ? Qui va ensemencer mes champs ? Qui va redonner vie à mes chèvres ? J'en ai assez de ce pays, et de toi aussi. Ta parole.
Et toi, de quoi notre vénéré magistrat t'a-t-il escroqué, Égyptien ? Praxila dit que tu peux m'aider. Je m'appelle Bayek. Toujours écouter votre femme. Vous avez toujours raison. Comment va-t-elle ? Aussi bien que possible, compte tenu des crimes de Flavius. Je suis la piste sanglante de ce chien depuis 6 mois. Les rumeurs sont fondées ? Oui. Comme ces préparatifs de guerre. Un oppresseur de plus. L'Égypte ne retrouvera jamais la paix. Les invasions se succèdent. Flavius fera de l'Égypte un vaste tombeau. Il gouverne depuis l'Acropole, mais l'endroit grouille de Romains. Je prie pour que le sort te soit favorable, Bayek. Je dois m'occuper de ce magistrat véreux, Léandre. Reviens me voir, si tu veux aider la cause de Cyrène. Merci, Dioclès. Il est temps que mon fils rejoigne les champs de roseaux. Trouver un petit Flavius. Nous n'avons pas besoin de credo ni d'endoctrinement. Nous ne rôdons pas dans l'ombre. Nous marchons en plein jour. Ce n'est que la propagande de l'ordre des anciens. Flavius a fait de vous des ennemis de la liberté. Les fils de Prométhée nous suivront. Ce n'est qu'en servant l'ordre qu'ils seront sauvés. Notre seul souhait est que le monde soit tel qu'il est. Un lieu d'ordre, de symétrie, d'harmonie, comme l'aiment les dieux. Gaïa a émergé du voile béant du néant, du vide obscur, du chaos. Immarcessible Gaïa. Le libre arbitre, prôné par ces menteurs, n'existe pas. Ne les écoutez pas. Le mec, c'est un conseiller, je crois. Le peuple devrait être libre de ses choix. Que nous devrions vivre sans loi. Oh. C'est vrai, j'ai déjà fait. Moi, ça va, on va faire ménager une deuxième fois. Mais bien sûr, il est à l'intérieur. Là, il y a des guignols, là, il y a des guignols. Il y a des quelqu'un. Ici, il y a des gens à l'intérieur. C'est pas le monde. On va peut rentrer par là. Voilà. Alors moi, je me fais toujours un plaisir de faire le ménage quand j'arrive quelque part. Voilà, je vais pas le faire parce que c'est vachement grand, il y a du monde aussi. J'ai déjà fait. Donc. Donc, je vais tous les marquer, comme ça je vous verrai bouger.
Et je me suis pas me débarrasser du mec à l'entrée, là, parce que... C'est qu'il est dévoué pour qu'il fasse, pour qu'il rapide, qu'il va se faire barrer. Voilà. Je vais mettre là. Je vais venir. On va entrer par là, parce que là, il y a le moins de monde. On va se mettre ici, c'est comme là. Bah alors. Cet endroit est très bien gardé. Il y a pas de par là. Non, non, il n'y a personne. T'as rien vu. T'as rien vu. T'as rien vu du tout. Rien du tout. Hop là. Ah. Je pensais pas qu'il allait être trop bon. Non, monsieur. C'est des trucs en trop sur nous. Que j'en vois des avoir. Hop là. Ah, de là, je peux plus bien là. Non. Ah, je suis bien devant. Un peu plus loin que nous. Pour ce cas qui est super, vous pouvez sniper de très très loin. Hop là. Non. C'est juste... Je crois que ça le pêche. Non. On va y aller. Le temple de Mars. Quel bonheur de retrouver les dieux romains hors de Rome. Le proconsul Flavius me fait froid dans le dos. Tu as entendu les rumeurs à propos de Siwa? On va pas se battre pour rentrer par la porte d'entrée. C'est parti, tu viens me voir. Tu crois vraiment?
que je ne te sens pas rôder dans les ombres, Bayek de Siwa. J'ai remonté ta piste de meurtre et de massacre depuis ma terre natale. Maintenant, prépare-toi à payer pour la mort de mon fils! Non, Égyptien, prépare-toi à te prosterner devant Dieu! Mais voilà, encore un qui se prend pour un dieu. Tu as tué mon fils, mes amis! Pourquoi tu ne m'as pas tué quand tu en avais l'occasion? Tu aurais dû rejoindre l'ordre. Tu as besoin de nous! Wow, wow, wow! Ça, c'est de la triche, ça. Ce sont que des illusions! Ouais, bah, des illusions qui font mal, hein. Allez, amène-toi. Ah! Skip! Ah, il triche! Ah, j'ai une! Waouh! Non, ça c'est de la triche, ça! Le meurtrier de mon fils! Qui se cache dans un temple! Ton ami Medjay Ebzefa était têtu comme une. Tout comme ton fils. Tu vas bientôt quitter ce monde, Flavius. Ton esprit finira bien par s'éteindre comme celui des autres. Tu ne ressens pas mon pouvoir, mes capacités. Tu n'es rien d'autre qu'un paysan. L'Égypte n'est qu'un ramassis de chameaux et de pelleteurs de pauses. Oh, monsieur, lance des kamehameha. Aïe, allez pas. Tu as empêché mon fils de rejoindre l'autre monde. Il a fait quelque chose. On y va. Assez ! Affronte-moi ! C'est pas la meilleure de parler. Mais non ! Oh. Ouh ! Aïe ! Ah, ça me fatigue ces trucs-là. Hein. Ah, bien. Ouais, c'est vrai. Mais non, hop là! Ah, attention, Kamea. Vas-y, arrête de tricher là avec ta boule. Oula. Non, j'étais hors du champ. Tu es à peine un homme. Tu seras jugé dans la toile. Tiens, bouffe. Rends-moi ma boule. On confirme la mort.
C'était un enfant, Flavius! Mon enfant! Eh bien, vois-tu, c'est l'une des seules choses que je ne regrette pas. Tu n'auras jamais la paix! La mort de ton fils m'a valu le respect de l'ordre! Et de César. Je tenais Rome! Elle m'a apporté un empire. 1000 fils, tous plus grands les uns que les autres. Ah! Allez! Achève-moi! Sale lâche! Tu perds du temps! Je ne peux pas! Je ne peux pas! Je ne peux pas! Tout va bien, papa. Non. Je vais te perdre à jamais. Pas à jamais. Je t'attendrai dans les champs de roseaux. Jamais être retrouvé. Aya doit savoir que le cas de notre enfant a trouvé le repos. Là, on peut pas décliner ce carrément. On a récupéré la bobo. Je vais sortir de là. Alors lui, il s'appelle Ezio. Criquet, j'ai parlé de toi à ma sœur. Et du coup, elle a oublié Dioclès. Regardez tous, c'est le criquet de sirène. Comment une référence à Ezio, mais aujourd'hui, ça s'écrit avec un S. Alors...
Bayek. Ça fait si longtemps. Flavius est mort. J'ai affronté l'horreur pour arracher notre fils à la droite. Kemu est en paix. Puisse-t-il arpenter les champs de roseaux. Je vais à Rome pour... Rome ? Aya, tu ne vois donc pas la folie de tes ambitions ? J'ai fait des erreurs. Tu en as fait aussi. Aya ? Tu gaspilles ton énergie. Ah. Tu es le célèbre Medjay. Phanos ne cesse de parler de tes exploits. J'ai formé un groupe. Voici Brutus et Cassius. Ce sont nos frères romains. Nous allons abattre ces chiens à l'autre bout de la mer. Septimius et César. L'ordre n'est plus seulement le souci de l'Égypte. Cléopâtre règne toujours. Personne ne règne sur l'Égypte. Elle est soumise aux caprices de plusieurs tyrans. Notre reine nous a abandonnés pour Rome. Rien n'a changé ici. Memphis est sous l'emprise de l'ordre. Aya, tu dois agir. Oui, bonne idée. Range ça au pipe, n'importe où. Ça ne peut pas finir comme ça. Aya. Cette maudite sphère doit rester cachée à jamais. Elle a causé trop de malheurs. Parce qu'il est pas pris. Très bien. Chef. Il est beau le star, c'est dommage qu'il est fini sur la mer. On va arriver à des trucs en star, mais... Il faut y aller vite, hein. Victoire s'accumule, et notre lien se délite. Nous sommes destinés à nous quitter. Tout nous dit que notre amour est impossible. Tu avais raison. Nous luttons pour quelque chose de plus grand. Et notre amour vit dans la droite. Sauf qu'il nous faut l'abandonner. Laisse les dieux en décider. Les dieux sont morts. Devons oublier nos vies pour le bien commun. Toute cette souffrance avait un sens. J'ai eu tort, nous n'aurions pas dû tuer en public. Nous devons œuvrer dans l'ombre. L'Égypte est à terre. La Grèce aussi. Rome tombera à son tour. Tous tomberont devant le credo, mais personne ne le saura. Quand nous assassinerons, nous ne frapperons que ceux qui le méritent. Les quelques esprits malades qui veulent nous contrôler. Mais ils ne sauront jamais qui nous sommes. Froid, calculateur, des poètes de la mort.
suis d'accord, Aya. Je ne suis plus un père. Je ne suis plus un mari. Ni même un Medjay, je suis. Celui qu'on ne voit pas. Oui. Nous sommes ceux qu'on ne voit pas. Nous aiguisons nos lames pour attiser l'espoir de ce monde en ruine. Bayek de Sion. En quoi crois-tu? Au nouveau credo. Le nôtre n'est plus. Ça fait le A des assassins. Attendez, je regarde. Ah ouais, ça fait un A. Putain. Et parce que j'ai l'édition collector et j'ai la tête du cast. Et quand on regarde en dessous, ça fait un A. Ah ouais, j'avais pas fait gaffe.